assez content de faire partie du projet. Maintenant, c'est vrai qu'après, les soucis, on ne les a pas anticipés. Les soucis matériels, évidemment, qui se sont posés après, la connexion aux bornes Wi-Fi, la manipulation par les élèves des ordinateurs. Ça a demandé du travail, de la disponibilité, et on avait choisi une classe dont une bonne part des élèves étaient autonomes. Ça me paraît fondamental. Et puis aussi une entraide entre élèves qui s'est créée au fur et à mesure pour échange de codes, de petits trucs fins pour s'en sortir. Donc finalement, c'est vrai que ça fait jouer l'interactivité entre les élèves. Ici la chance d'avoir un emploi du temps, un espace numérique de travail. Donc on les a forcés à se connecter systématiquement à cet espace numérique dans lequel on avait créé des dossiers en fonction des matières. Donc avec moi, ils allaient dans le dossier anglais et puis ils allaient déposer leur dossier, aller chercher les documents et puis ils travaillaient. Et ils travaillent d'exercice en ligne. Alors soit en ligne, soit des exercices que je leur avais proposés sur Hot Potatoes et puis pour travailler donc des points précis de grammaire. On l'a rarement utilisé à 100%. Moi, j'ai fait des séances en groupe au lieu d'aller, par exemple, en salle informatique. Parce qu'ici, on est bien équipé en salle informatique. Bon, ça a libéré une salle informatique. On a travaillé sur les netbooks en faisant des exercices en ligne pendant pratiquement toute l'heure. Donc ça, c'était vraiment des séances spécifiques en groupe. Sinon, en classe complète, non, on l'a utilisé que la moitié du temps au maximum, voire sur un quart d'heure.